Chers parents, bonjour. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série de vidéos dédiée cette fois-ci à la rentrée scolaire, cette rentrée 2017 où je vous présente les nouveautés, les innovations concernant les fournitures scolaires pour vos enfants pour cette rentrée. Première nouveauté pour cette rentrée 2017, il s'agit du bâton de colle Glue Stick de la marque Bic. J'adore parce que la colle là n'est pas blanche comme d'habitude, mais violette. Cela va aider les plus jeunes, notamment ceux de maternelle, à savoir où est-ce qu'il ou elle positionne la colle pour faire leur collage, donc un produit astucieux pour cette rentrée. Toujours chez Bic, deuxième nouveauté que j'adore, il s'agit du stylo 4 en 1 revisité, cette fois-ci en 3 couleurs en 1. Le vert est parti, désolé pour les adeptes du vert, mais qui est remplacé par un Critérium. Et ça, on apprécie vraiment parce qu'on a un stylo Critérium 2 en 1 en même temps. Côté cartable ou sac à dos, je vous propose cette année d'opter pour la marque Poids Plume, une marque plutôt confidentielle mais qui a pour particularité de faire des cartables. Et cette année, en plus, nouveauté des sacs à dos, très légers. Et en plus, la tendance cette année, c'est quoi? Ce sont les LED sur le sac à dos, dès que l'on touche le sac, pour que eh bien, les plus jeunes aussi, encore une fois, quand ils rentrent de l'école, notamment l'hiver, soient vus dans la nuit. Ensuite, une belle initiative du côté de la marque Hachier pour les cahiers périscolaires, notamment en primaire de la CP au CM2, avec des cahiers d'activités spécifiques pour les enfants 10. Dyslexie, dysorthographie, dysphasie. Ces cahiers d'exercices ont été conçus en partenariat avec des enseignants et des orthophonistes pour créer eh bien, un format de cahier un peu plus attractif, plus adapté, avec une police de caractère adaptée, des couleurs spécifiques, des pictogrammes. Aucune rentrée ne se passe sans une ardoise ou un tableau. Moi, je vous propose avec la marque Zano d'associer les deux et d'opter justement pour l'ardoise de face qui fait d'un côté tableau ardoise et de l'autre côté tableau feutre pour eh bien, allier les deux. Un, vous allez gagner de la place puisque pas besoin de prendre un grand tableau. Et deux, l'enfant va pouvoir facilement la porter sur soi. Ensuite, eh bien, à lui ou à elle de choisir si elle veut jouer avec les lettres magnétiques de l'alphabet qui sont fournies avec, écrire avec le feutre ou utiliser les craies traditionnelles. Pour réviser l'histoire avec vos enfants dès la rentrée ou cet été, je vous propose la collection Quelle Histoire, une collection de livres magnifiques qui reprend chacun des grands moments de l'histoire, le Moyen-Âge, les guerres mondiales, sous forme d'ouvrages vraiment très bien illustrés, on dirait presque un dessin animé d'ailleurs en livre. Et ensuite, de façon très pédagogique à l'intérieur, on retrouve les frises chronologiques, bien sûr, chaque personnage, mais aussi chaque grand moment de ce passage de l'histoire. Et donc là, pour ce printemps 2017, les trois nouveaux tomes qui viennent de sortir sont donc l'histoire du Moyen-Âge, la Seconde Guerre mondiale et les grands navigateurs, de quoi faire de belles explorations imaginaires tout du moins. Et pour terminer, je suis sûre que vos enfants adoreront retrouver leur héros préféré sur leur fourniture scolaire. Je vous propose donc d'adopter Miraculous Ladybug avec la marque Vickel sur la trousse, le cartable, les pochettes à rabat, d'adopter un mignon sur vos tubes de colle UU ou de retrouver la saga Star Wars sur les stylos, cette fois-ci 4 couleurs de la marque Bic. Il me reste à vous souhaiter un bel été, mais surtout une belle rentrée 2017. Alors, quelles seront vos fournitures scolaires pour cette rentrée 2017? Quand allez-vous vous y prendre? Avant les vacances ou juste après? Dites-nous tout en commentaire et je vous souhaite une belle rentrée et à bientôt sur The Mom Reporter.